Bonjour à vous les balances, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Les balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Mille excuses, hein, j'ai une voix un peu, voilà, je parle un peu du nez, de temps en temps il y a la voix qui peut dérailler un peu, j'ai chopé la crève en début de semaine et là, voilà, ça va. Ça va mieux, mais voilà, donc mille excuses, hein, parce que je peux avoir petite toux, un petit truc là, pas très sympa des fois quand on regarde des vidéos, mais bon. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse sur ma petite crève de la semaine, hein, super, on s'en fout un peu. Donc les balances, on va aller voir les petits messages et la tendance pour vous, pour la semaine prochaine, donc que vous soyez balance, ascendant balance, signe lunaire ou Vénus en balance, hein, cette vidéo, elle peut vous intéresser aussi et vous parler, ou pas du tout. Allez, on y va, c'est parti les balances, tirage général du 11 au 17 novembre 2024. Pour les balances, balance du 11 au 17 novembre 2024, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance? Oup, 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 oup. Potentiel exacerbé. Bon, eh bien écoutez, c'est une semaine où là, vous allez être plein d'idées. Vous allez être vraiment toutes vos capacités, vos compétences et vos qualités. Vous allez les faire, c'est le cas de le dire, fonctionner à plein régime. Vous n'allez pas du tout manquer d'idées. Vous allez avoir envie vraiment peut-être de faire plein de choses, de vous lancer, de vous lancer des défis. Mais là, c'est vraiment potentiel exacerbé. C'est, voilà, on arrive à faire plein de choses, on a envie de faire plein de trucs. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche, bah voilà, ça fonctionne. Mais c'est surtout le côté, voilà, plein d'idées. Hein, pour vous, mes amis, balance pour cette semaine, vous allez fourmiller vraiment d'idées, de suggestions. Vous n'allez pas du tout être en manque aussi de donner des conseils peut-être aux autres autour de vous. Et puis, bah, s'il y a un projet ou des projets, bah, là, vous allez vraiment fusionner, être là à vous dire « ouais, je ferai bien ça » ou « ça va être génial, ça va être chouette ». Ou vous voyez, c'est vraiment le côté où là, il y a un mental en ébullition, mais qui est hyper, comment dire, pas lucratif, c'est pas le mot, mais qui est vraiment, oui, en ébullition, et ça fonctionne vraiment là, à plein régime, dans votre tête, ok? Là, vous êtes vraiment au topissime de vos capacités, de votre savoir-faire, mes amis balance, pour cette semaine. Bien. Allez, bon, hop, on y va. Monsieur Béline, c'est parti pour les balances. On a de la colère là, du feu, prise de tête. Il peut y avoir quelqu'un qui ne cède pas, qui vous tient tête aussi là pour certains balances. Hein. Ça pourrait vous agacer. Allez, les balances du 11 au 17 novembre 2024 pour les balances. Bon, bah, puis dites donc, on a de la méchanceté. Allez, les balances du 11 au 17 novembre 2024. Les balances. Bon, bah, on est quand même sur la continuité. Hein. Bon, vol, perte, ennemi. Bon, il y a de la langue fourchue, il y a de la langue bien pendue, ça parle beaucoup. Là, on a quand même vraiment peut-être des personnes qui sont mal intentionnées. Alors, attention avec ces deux cartes-là, vol, perte, hein, ça peut être une escroquerie, une arnaque, ça peut être un abus de confiance, ça peut être on vous vole une somme d'argent, des papiers, on vous vole quelque chose de valeur, ça peut être une perte de confiance aussi vis-à-vis vraiment de personnes que là, bah, on se rend compte que bah voilà, cette personne-là n'est pas du tout honnête ou arrête pas de dire des choses sur vous. Mais là, attention,
attention dans vos échanges, hein. On est sous Mercure avec cette carte-là, donc tout ce qui va être, hein, les échanges, les beaux parleurs, hein, ça va être aussi la fourberie. Soyez extrêmement vigilants quand même. C'est une coupe, donc c'est important. Donc les balances, hein, faites attention dans vos échanges à quelqu'un, vous voyez, ou des personnes qui seraient là à essayer de, hein, de vous passer de la pommade ou de vous, ouais, de vous tourner les choses. Attention, hein, les ennemis avec la carte du vol et de la perte. On peut vraiment avoir quelqu'un de très mal intentionné. Hein. Allez, on y va, les balances. Elle ne veut pas venir. Bon, eh ben on a un soulagement. Ouf, quelque chose qui tombe vraiment à point nommé, à pic, c'est exactement ce qui manquait pour vous sentir vraiment libéré et pouvoir dire ouf, hein, ça parle aussi de protection. On a les présents et on a les appuis, et on a un départ. Un départ, on migre vers de nouveaux horizons, il y a une belle envolée. Bon, il y a vraiment opportunité, offre, présent, cadeau de la vie aussi. Là, ça peut être une main tendue, quelqu'un qui vous vient en aide, qui vous soutient, qui vient vous conforter aussi vraiment, peut-être pour certains d'un point de vue, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être quitter une situation, ça peut être déménager, ça peut être aussi quitter une personne. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui vient vraiment vous soutenir, vous dire, allez, je suis avec toi, je t'aide, hein, tu sais que tu peux compter sur moi, je suis prêt à t'aider. On a vraiment une main tendue vers vous et vraiment là, une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Hein. Alors, ça peut être aussi, hein, la carte du départ, hein, ça peut être aussi, on prend une envolée, une belle envolée, ça peut parler d'élévation aussi. Donc peut-être d'un point de vue professionnel, pour certains, il y a l'appui de quelqu'un, hein, qui vient vraiment parler de façon ultra positive de vous, de votre travail. Allez, on va voir. Ouais, on a l'eau. On a des petits retards. Ouais, élévation, vous avez vu, je vous ai dit élévation, une évolution. Donc, il peut y avoir une évolution professionnelle. Pour certains, on quitte peut-être, hein, je vous ai dit, ça peut être un départ à la retraite ou on quitte son travail, peut-être avec une belle somme d'argent. Alors, l'appui avec le retard, hein, peut-être que pour certains, voilà, vous allez vous rendre compte après coup que finalement, voilà, vous étiez apprécié dans votre travail, où il y a peut-être un petit coup de main, un petit coup de pouce d'une personne qui arrive peut-être un petit peu après ou au moment où vous ne vous y attendiez plus. Hein. Mais il peut y avoir là vraiment quelque chose de très positif sur le côté finance. Ouais. Et oui, le cloître. Hein. Là, dans l'impasse, là, l'étouffement, l'enfermement, on ne sait pas comment sortir d'une situation. Et vous voyez, on retrouve quoi? La grâce. On a trois Saturnes là. Hein. Ouais. Peut-être un soutien là et un appui qui arrive vraiment au moment où on ne s'y attend plus non plus chez certains balances, hein, concernant vraiment un départ, une élévation, quitter une situation, un travail, un projet, une association. Pour moi, là, il y a vraiment un coup de main, un coup de pouce qui arrive au moment où vous ne vous allez plus du tout vous y attendre et qui va vous être ultra bénéfique. Hein? OK? Parce que vous voyez, retard, le cloître, c'est vraiment, voilà, ça ne vient pas. Alors, ça peut être aussi hein, l'appui d'une personne, mais ça peut être aussi. Pourquoi pas une administration qui finalement vous vient en aide. Ça peut être l'appui aussi si vous êtes dans une procédure, hein, peut-être d'une tierce personne. L'appui, pourquoi pas, de votre voilà, de votre avocat ou d'une personne à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va venir vous appuyer et vous épauler, par exemple, dans une procédure.
hein, qui est compliquée, qui est laborieuse, là où on ne sait pas comment s'en sortir et comment, comment aller de l'avant, comment ouvrir là, comment trouver une solution. Donc là, les balances, en effet, c'est vraiment le côté où pour moi, il y a une aide vraiment qui vient vraiment au moment où vous en aviez le plus besoin. Et c'est vraiment une aide qui vous est ultra bénéfique. Mais à mon avis, pour certains, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Soit si vous êtes dans une procédure, dans un divorce, ça peut être aussi par rapport à un héritage, hein, où il y a quelqu'un qui vient vraiment, pourquoi pas, vous soutenir, vous aider, voilà, dans toute cette procédure, dans ce bazar. Et vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif d'un point de vue des finances, de l'abondance. Mais il y a de l'aide. Il y a presque un coup de main, un appui, un soutien là, que vous n'espérez plus là, hein, qui arrive. Bon, bah, c'est bien ça. C'est positif, hein. Allez. On va voir le sentimental pour vous, mes amis Balance. Du 11 au 17 novembre 2024. Le sentimental pour les Balances. Qu'est-ce que j'ai donc qui saute? Eh, on a de la signature, on a de l'engagement, on a des choses qui sont actées, qui sont officialisées. Allez, les Balances du 11 au... Mais oh, on a l'obscur. Balance du 11 au 17 novembre 2024. Bon, allez, on traverse peut-être quelque chose de difficile où vous avez l'impression, hein, que là, bah, on n'est pas rendu, je ne suis pas rendu au bout de mes peines, c'est bien compliqué, j'en vois pas le bout. On vous invite à vraiment lâcher prise sur une situation qui vous paraît périlleuse. J'ai quoi derrière l'épreuve? Ouais, la justice. Pour certains, ça peut être un divorce, hein. On l'a vu avec le retard, le cloître, hein, un divorce peut-être pour certains où on ne voit pas le bout. Hein. Vous vous dites, eh ben, je ne suis pas au bout de mes peines. Allez les Balances, on y va. Bon, on a une belle renaissance. La mort, la communication, et oui, vous voyez, l'abandon. Laissez aller et laissez partir, clairement, voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On commence quand même avec la mort, la fin, quelque chose qui est largement terminé pour moi depuis un moment. On va clairement exprimer et dire que voilà, là il y a une situation qui, dans une relation, c'est terminé. Voilà, il y a, pour certains, ça peut être une relation dans laquelle, voilà, il n'y a plus rien à en tirer, c'est définitivement fini. La mort, ça peut nous parler aussi de la fin, voilà, d'un célibat. Hein, cette période de célibat pour certains a peut-être été longue. Mais là, on va... Ouais. La justice. On retrouve la justice. Hein. Ouais. La lenteur. Hmm. Et on a le cadeau. On a beaucoup de cadeaux qui ressort là, sur les tirages en ce moment. Enfin, là, pour la semaine prochaine. Bon, on a le déménagement, le grand changement. Alors après, ça peut être aussi tout simplement un déménagement au sens propre du terme, mais c'est aussi le grand changement. On fait le grand ménage, hein, on se débarrasse de tout ce qui, encombre. On avait la renaissance tout à l'heure et là, on a le déménagement, ok. Donc... J'ai un petit peu quand même le côté où il y a vraiment quelque chose là dans votre tête pour vous les Balances dans une relation où c'en est terminé.
Hein, la mort, c'est vraiment la fin, il n'y a plus rien à en tirer, on peut dire que voilà, il n'y a plus d'espoir, c'est entériné, c'est terminé. Et vous voyez, avec la justice, on est quand même sur quelque chose. C'est un peu comme si, voilà, c'était dans votre tête. Voilà, c'est bon, c'est acté, c'est décidé. Pour certains, ça peut nous parler d'un divorce, ça y est, qui passe devant la justice. Vous recevez des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Vous pouvez enfin vous libérer de ce divorce, vous abandonner aussi tout simplement à une nouvelle vie et commencer vraiment à pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui vont se mettre et s'offrir à vous, mes amis Balance. D'accord? Donc, il peut y avoir pour certains enfin une décision de justice ou un jugement de divorce qui est rendu, ok? Que vous attendez depuis bien longtemps. Mais là, il y a vraiment quand même ce côté de se dire, c'en est définitivement terminé. Que ce soit un divorce, voilà, ou un état d'être, je veux dire, une situation que vous vivez d'un point de vue sentimental, mais que vous, il y a vraiment ce côté aussi où vous voyez la lenteur avec le cadeau, c'est que vous laissez vraiment le temps au temps, vous vous abandonnez vraiment à cette patience, à lâcher le contrôle pour pouvoir saisir vraiment une future rencontre. Je ne sais pas si je me fais, si j'arrive à me faire comprendre ou quoi, là, pour vous les balances, mais il y a vraiment se laisser le temps et se laisser vraiment aller, laisser partir ce que vous avez à laisser partir d'un point de vue sentimental et amoureux pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle personne, à profiter des cadeaux de la vie, de nouvelles opportunités qu'on va mettre sur votre chemin. Okay? Peut-être que pour certains, vous mettez du temps ou vous avez mis du temps à mettre des mots et à vous dire vraiment concrètement dans votre esprit, voilà, cette situation, c'est terminé, cette relation, c'est terminé. Avec cette personne, voilà, c'est bon, il faut que j'arrête. On met aussi, pour certains, ça peut être ça, c'est prendre vraiment du temps, avoir besoin de beaucoup plus de temps peut-être par rapport à d'autres personnes pour clairement exprimer, parce qu'on a la communication, clairement exprimer à l'autre, c'en est terminé, j'ai pris ma décision, c'est fini. Et finalement, pour certains, le fait de le dire, pouf, vous allez laisser partir un poids sur vous, mais qui va vraiment vous soulager, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Mais pour ça passe par exprimer cette décision que vous prenez, qui est peut-être assez radicale, assez tranchante, c'est quand même assez cash, mais là, pour certains, vous allez vraiment vous libérer d'un poids en exprimant clairement que pour vous, là, il y a une situation qui est terminée. Je vous ai dit, ça peut être, j'en ai fini avec le célibat, je ne veux plus être célibataire, j'ai envie de refaire ma vie, donc je m'abandonne, je peux l'exprimer aussi comme ça, je m'abandonne vraiment à la vie, je fais confiance à la vie pour mettre quelqu'un sur mon chemin. Bien. Voilà pour vous, mes amis, Balance. Je vous souhaite, excusez-moi, une très bonne journée, les balances, et je vous dis à bientôt. Ciao!